Abonne-toi. Salut les amis. Aujourd'hui, on espère que vous avez la forme parce que nous, ça va super bien. Ça va même très très bien. Alors aujourd'hui, on sort juste de l'école. On est vendredi. Oui. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi on fait une vidéo ce vendredi. Bah oui. Ouais, parce qu'en fait, Corentin et Ozan ne sont pas au courant. Donc comme on devait aller manger un petit bout en ville ce soir, je me suis dit pourquoi pas joindre en fait la chaîne YouTube à ça en fait, mêler la chaîne YouTube à ça. Donc en fait, je vous donne un petit indice. On va aller dans des magasins et je vous donne un petit indice. Ça c'est pour toi et ça c'est pour toi. Est-ce que vous avez une idée? Vous les amis dans les commentaires, vous avez une idée? Dites-moi tout de suite si vous avez une idée. Moi j'en ai une. Alors, je crois qu'Océane elle en a une. Toi tu crois savoir Loulou? On va faire oui. Le 10 euros challenge. Et oui, on va faire le 10 euros challenge. Parce que 10 euros, aller dans des magasins, on allait dire que c'était le 10 euros challenge. Ouais, bravo, c'est le 10 euros challenge. Alors, est-ce que vous êtes content de faire ce challenge? Oui. Et on va acheter plein de petites choses. Au moins, après, on aura beaucoup de choses. Et après, on aura 10 euros avec beaucoup de choses. Et c'est nous qui choisissons. Alors, c'est quoi le principe de ce challenge? En fait, c'est qu'on va aller dans des magasins. Et avec 10 euros, en fait, on va plutôt aller dans un magasin. Et avec 10 euros, on doit acheter le plus de choses possible. Et c'est celui qui aura acheté le plus de choses avec ses 10 euros qui aura gagné le challenge. Moi, je prenais crée. Est-ce que vous avez une petite idée d'un magasin, du coup, pas oui. trop cher pour pouvoir en acheter le plus possible? Action, c'est Action. Pas très cher là-bas. Bah oui. Ouais, Action, on va chez Action ouais. alors. Oui. En plus, c'est pas très très loin, enfin, c'est pas si loin oui. que de là où on va manger ce soir. Donc bon, bah go to the Action. Mais il y avait aussi la grande récré, mais c'était un peu trop cher, il y avait beaucoup de choix, mais c'était un peu... Ah ouais, la grande récré, c'est... Bah, à mon avis, avec 10 euros, tu vas acheter pas grand chose. Ok. Bon, bah, let's go. On se rejoint chez Action alors. Oui. Oui. Ok. Oui. Allez, bon, bah, c'est parti. On va s'attacher. Océane à ta place. On s'attache et on part. Oui. Ça y est, on est chez Action. Donc là, voilà. Le magasin. Il y a plein de trucs. Donc, on a le petit sac. Alors, chacun a un sac. Voilà. Et chacun a un billet. Donc, on va commencer avec qui? Avec moi. Avec toi? Oui. Alors on va faire les tours de magasin et puis c'est toi qui vas prendre pour 10 euros. D'accord? Allez, bon, je te suis. Alors est-ce que tu as déjà repéré des choses? Tu le connais un peu le magasin? Bah oui. Bon alors là on est dans le rayon des... Jouets. Des jouets. Donc là il y a plein de choses, il y a plein de petits prix. Bon là quand même ça coûte cher ça. Ouverture de la pièce numéro 2 s'il vous plaît. 8,95 quand même là... On va plus avoir grand chose à acheter. Mmh. Hein. Alors tu regardes un peu. Alors il y a plein de trucs hein, là. 2,29€. Il y a des draps. Des draps, ok. Mais ils sont quand même à 8€. Ils sont à 8, ouais. Bon. Avec l'enjeu aussi là. Derrière, il y a peut-être plein de trucs, non? Ah, regardez, il y a plein de choses. 4€, t'as ça. 4€, t'as ça. Tu veux le prendre? Ah ben, 5€, hein, c'est. Hein. Fais gaffe, hein. Attends. Ça, on va voir en dernier. On verra un dernier? Oui, ok. Bon. Voilà. À toi de gérer. Hein. Oui. Alors là, il y a plein de trucs hein, quand même. Hein. Alors qu'un euro, et ben, c'est 150. J'ai aussi des lumières en paille. Ça? Ici. Ouais. Ça, 55 centimes? C'est quoi? Ah non, 42 centimes. Ok, c'est quoi? C'est des pailles en forme de lunettes. Ok, tu veux le prendre? Ouais. On met dans le panier. Hop là, et de 1. Ça trouve autre chose? Des pinces à boules de neige. Des pinces à boules de neige. Ça bon. Forme des boules de neige. Tu peux en prendre une? Bah ouais. Ça coûte combien ça? 65 centimes. 65 centimes? Bon, ouais. Ça va. C'est pour faire des boules de neige. Bon, bah, tu peux faire des boules aussi de sable. Ouais, pourquoi pas. On n'a pas trop de neige chez nous. Mmh. Ok, donc ça fait de 2. Alors maintenant, on est dans le rayon des bonbons. Alors Corentin, est-ce que tu as vu quelque chose? Parce que tu nous m'as mis ici. Mais t'as vu quoi? Mmh. On cherche les petits prix, hein? Oui. Qu'est-ce que tu prends? Des M&M's. Des M&M's, ça en combien coûte? 99 centimes. 99 centimes, ça allez. Va. Bon bah je pense qu'on est loin du compte encore. Hein. Dans oui. le panier. Qu'est-ce que tu prends? Ça, c'est pour mettre les œufs dedans. Ah oui, les pour faire l'œuf à la coque. Oui.
Alors celui-là, il est à 74 centimes. C'est pas trop cher. Ouais, et après, il y a lui, là, à 69 centimes. Comme tu veux. Mais je prends lui parce qu'il y a le gros lapin à côté. Ok, bon, bah vas-y, alors. On a carrément changé de rayon, là, on est au rayon des fournitures. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Des mini-marqueurs. Des mini-marqueurs. Ok, tu le prends? Ah bah ouais, en plus, ça va me déposer avec. Ah, cool. Oh, bah, combien ça super. Fait, ça 99 centimes, c'est vraiment, vraiment pas cher. Alors là, il y a plein de petits prix, regardez, les amis. T'as trouvé autre chose? Bah oui, j'ai trouvé du scotch, mais comme les Blanco. Ah ouais, du scotch comme les Blanco. Il a combien, celui-ci? 99 centimes. 99 centimes aussi. Allez, in the bag. On est au rayon, donc, des papiers cadeaux. Voilà, des petits nœuds. Et Corentin, il a repéré quelque chose. Un petit sac cadeau. Un petit sac et qui est à 25 centimes. Vraiment pas cher. Ok. Alors, il doit te rester à peu près 5 euros, je pense. Qu'est-ce que tu veux prendre? Ça. Ça? Ouais. Bah, je pense que ça peut le faire. Bah ouais, parce que c'est 15. Mais tu abuses pas un peu? Ah, c'est que tu le veux vraiment, en fait. Tu préfères sacrifier, en fait, ton classement dans le challenge. Ou même si tu perds, tu veux mais ça, c'est en ça? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on travaille les imprimés sur et tout ça. Donc, c'est l'idéal. Donc, tu veux ça, d'accord. Tu préfères, même si tu perds, c'est pas grave. Tu veux absolument ça. Ok. Bon, bah prends-le, je pense que t'auras assez, on verra la caisse en tous les cas. Mais je pense qu'il te reste à peu près 5 euros. J'ai fait vite fait les calculs dans ma tête, donc bah vas-y, prends-le. C'est un petit peu gros par rapport à moi, il y en a un dessus. Ah, je vais t'aider alors. Bon, bah voilà, on le met à l'intérieur et ça va être à ta sœur. Ouais. T'es prête, toi? Oui, c'est ce que je prends au début. Bon, bah on verra hein, si tu gagnes ou pas, hein, Corentin. T'as préféré. J'ai fait quand même beaucoup de trucs, hein, j'ai vu qu'il y avait des trucs chers. On verra, je sais pas. Mmh. Déjà, on va voir si ça passe à la caisse. Hein. Oui. C'est parti cette fois-ci avec Océane. Donc, tu as vu les choses, toi? T'as tourné un peu dans le magasin avec nous? T'es un peu plus avantagé que ton frère? Oui. Ah, ça y est. Ça commence avec 2 euros. 2,98. Après, on va prendre un Timon. Attends, je vais voir ce que c'est. Celui-là, je le préfère. C'est petit, quasiment pareil. Hein. Bon, bah vas-y, prends. Ah, le violet. Le violet? En fait, il change de couleur. Rouge. Ouais, c'est les chalmises. C'est un petit chien. Oh, il est trop beau. Oui, je prends le violet. En plus, il peut se transformer en rose ou en violet, regardez. Ok, bon, bah mets-le dans le sac. Donc, ça fait 2,98. Ouh là là, t'as déjà commencé à exploser le budget, là. Alors maintenant, on est toujours dans les jouets. Et Océane, tu as vu quoi? Une crotte à 75 centimes. Ok, bon là, tu es plus raisonnable quand même. Hein. Allez, dans le panier. Le rayon des bonbons. Et là, on a vu plein de petits prix ici. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un hamburger à 59 centimes. Ah, dans le sac. Et encore, tu as vu quoi? Je crois que tu m'as dit un autre truc que tu as vu. Le spray bleu. Le spray à 92 centimes bleu. Tiens. Voilà pour toi et dans le sac. Il est long? Ouais, il est grand. Hein. Alors on repasse devant le rayon de Pâques. Et qu'est-ce que tu as vu toi aussi? Je sais pas si je vais prendre ça entre ça. Alors ça c'est moins cher que ça. Ça en rose? Alors 69 centimes, allez. Attends, je sais pas si je prends en rose ou en bleu. Ah. Bleu. Parce qu'il y a le bleu nœud en rose, du coup j'aime pas en vert. Oh, c'est vert. Ok, bleu. Ok. C'est ici, non. Qu'est-ce que tu cherches? Des petits. Ah, c'est ici. Attendez. Qu'est-ce que tu as vu ici? Ah, ça, c'est le rayon des fournitures. C'est ça que tu as vu? Non. Les petits stylos de Pâques? Ils sont jolis, hein? Oui, mais c'était pas ça. C'était pas ça, d'accord. Bon, mais qu'est-ce que tu veux alors? Tout compte fait. T'en fais voir le rose, que c'est? Le rose? Un petit mouton? Non, moi je veux le boule de lapin, le lapin. Le petit lapin là? Oui. Voilà. Et il est trop mimi. Il est à 79 centimes. Je pense qu'on est dans les clous. Et en plus, c'est brillant ici. C'est brillant. Là, tu m'as emmené dans le rayon de quoi? Maquillage, bien sûr, parce que ça m'a bien déguisé en princesse. Là, j'ai trouvé. C'est deux rouges à lèvres. De femme, j'ai toujours en rêvé un. Deux rouges à lèvres, il coûte combien? Vends le prix? Et c'est 99 centimes. C'est vraiment, vraiment pas cher du tout. Oui!
Bon, bah, je pense que ça peut rentrer dans le budget, hein, on verra. Hein. Maintenant, nos rayons création, on va dire. Donc là, il y a plein de coloriage. Et moi, j'ai plein de petits trucs. T'as vu quoi? Un petit cahier, regardez. Et dedans, regardez ce qu'il y a. Des feuilles colorées. Ah oui, pour faire des activités, ça c'est cool. T'avais pas ça à la maison? Ouais. Bon, bah, mets-le dans le sac alors. C'est tout brillant. Trop beau. Donc c'est combien ça? 99 centimes. Je sais pas si ça va passer, hein. On verra bien. Hein. Mm-hmm. Bon, ben, on se retrouve au rayon des peluches. Oui, est-ce que je peux ça? Ça, je pense pas qu'il y ait assez. Hein. J'ai fait à peu près les comptes. Je crois qu'il nous reste 1,20€, 1,30€, un truc comme ça. Je vais prendre alors un petit chat comme ça. Un petit chat comme ça, fais voir. Ah, il est marrant. Donc une petite peluche anti-stress. Ah, il est mignon lui aussi. Bon, tu prends ça? On dira un squishmallow, mais en version. Emoji. Emoji. Ouais, c'est ça. Océane m'amène au rayon des animaux. J'ai trouvé un truc. T'as trouvé un truc? Une pâté pour chat pour nos petits chats. Ah, bah ça tombe bien, on a des chats. J'en prends combien? 24 centimes. Je pense qu'on va rester raisonnable, on va en prendre qu'une. Hein. Oh. Hein? Parce que je sais pas si ça va passer. Hein. C'est pas grave si ça passe pas. C'est pas grave si ça passe pas? Bon, prends-en un deuxième, on verra. Au pire, ce sera maman qui l'achètera pour le chat. Ok. C'est bon. Bon, bah, je crois qu'on va aller à la caisse, là. Hein. Bon, bah, on se retrouve après la caisse, alors? Oui. D'accord, Loulou? Oui. Ok. Je commence par le plus beau. Le plus beau? Le plus beau pour moi. On va devoir rembourser, mais bon, hein. Oui, bon, c'est pas mes chats préférés. C'est gros. Moi, j'ai perdu mon badge. Ouais. Sept, 8, 9, 10 et 10. Attends, on va savoir si ça fait moins de 10€. Mon manteau. 3, 4, 5, 6, 7. Et oui. 9,97€. Et tu pourras donner ton petit billet. Bon, ben ça y est, hein. Verdict a sonné. Oui. Alors, Océane, t'en as eu pour combien? 10€. Non, pas 10€ pour ton ticket. Pour 9,89€. Et tu as au total combien d'articles? 10. 10. Et toi, tu en as eu pour combien? J'en ai pour 9,97€. 9,97€ et combien d'articles? 8. 8, donc qui c'est qui a gagné? C'est Océane. Océane, de pas grand chose. Bah, bravo les loulous, vous en êtes bien sortis. Toi, t'as acheté une grosse boîte. Hein. Mais en fait, c'est vraiment. Ouais, tu t'es fait vraiment plaisir, je crois, c'est ça le truc. En plus, j'en ai depuis longtemps, c'était pas très cher. Voilà. Les amis, dites-nous si vous aussi vous avez fait ce challenge, si vous avez aimé ce challenge. Quel est le truc que vous avez préféré dans tout ce qu'ils ont pris? Ouais, voilà, tout ça là. Moi, c'est quoi? Ça? Ça. Donc, ouais, bah, dites-nous ce qui vous avez le plus préféré dans cette vidéo. Ah non, c'est pas ça. C'est les deux rouges à lèvres. Les deux rouges à lèvres. Nous, on va vous laisser. On va aller manger un bon ville, comme on avait dit. Oui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. En attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao, ciao. Ciao, ciao, les amis. Bisous, bisous.